I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Ms. Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am model XC-2000. My common name is Oster. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now, it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, Nomad found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She's very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. Walker, no!
Il faut que je me dépêche. Frau Beckmann a dit qu'elle m'attendrait sur la place en haut de la rue principale. Alors, Dana, c'est le grand jour? J'ai bien peur que oui, Herr Baumgartner. La boulangerie de Herr Baumgartner. D'habitude, j'adore cet endroit, comme tout le monde à l'académie. Mais je suis bien trop nerveuse aujourd'hui pour manger un strudel. Je suis sûre que tu vas nous régaler les oreilles. On dirait que tout le monde est parti à la hâte. Oh bon sang, ils doivent tous m'attendre sur la place. Pas mal du tout. Je me demande si papa le vendrait dans sa boutique, ceci dit. Bon sang, une pierre ? Eh oui, des vandales. Vous allez bien ? Oh, je m'en remettrai. Ce qui m'inquiète, c'est que ça empire chaque jour. C'est ce que dit mon père. Faut faire avec. Voyons le bon côté des choses. Ça me donne une bonne raison de faire des réparations que je repoussais. Vous savez qui a fait ça ? J'ai ma petite idée, oui. Une bande de voyous bons à rien. Je vois de qui vous parlez. Mais ils ne se sentent forts que quand ils sont en groupe. C'est vrai. Les gens comme eux peuvent être dangereux quand ils suivent un idéal. Surtout s'il est basé sur la haine et le rejet des autres cultures. Et ils ne portent pas les vagaranes dans leur cœur, je vous l'assure. Mes parents et moi sommes vagaranes. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite bien du courage. C'est une époque troublée, jeune fille. Pour les gens comme nous. Oh, assez parlé de malheur. Oh. Serait-ce un porte-partition que vous avez là ? Seriez-vous l'heureuse jeune fille qui va nous régaler les oreilles sur la place musicale cette année ? Eh oui. Je dois y aller. Il est bientôt l'heure. Eh bien, laissez-moi d'abord vous féliciter. La musique est l'un des seuls plaisirs qui nous restent ces temps-ci. Alors, merci, Fräulein. Merci de la partager avec nous. Me feriez-vous l'honneur d'écrire quelque chose dans le ciment avant de partir ? J'ajouterai la date, comme ils font à Hollywood. C'est à la mode en ce moment, vous savez. Eh bien, À moins que cela risque de vous mettre en retard. Très bien. Entendu. Utilisez ça. Ah, charmant. Le grand signe blanc de Wagen. Le symbole immortel de notre belle ville. Une inscription très raffinée, c'est sûr, et qui, sans aucun doute, restera visible pendant des années et des années, quoi qu'il advienne de nous. Merci, mein Herr. Maintenant, je dois vraiment y aller si je ne veux pas être en retard à l'Académie de musique. J'écouterai d'ici. Merci, au revoir. Pourquoi abîmer des livres ? C'est une honte. Il est arrivé la même chose le mois dernier à la boutique de l'ami de papa, Herr Zimmer.
Même si mon concert se passe mal, j'aurai au moins laissé une marque pour la postérité. Le ghetto. Maman et papa en parlent souvent quand ils pensent que je n'écoute pas. Ils disent que de plus en plus de Vagueran sont obligés d'y vivre. Je ferais bien de ne pas traîner ici si je ne veux pas être en retard sur la place. Il est déjà si tard. Frau Beckmann va me tuer si je n'arrive pas à temps sur la place. Bon sang foutu, Vagueran. Le Parti National Socialiste d'Ostertal. Je crois que c'est ce que papa appelle l'ombre brune. Des brutes en uniforme, d'après lui. Je ferais mieux de ne pas traîner. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, vous voilà. À quelques minutes près, vous auriez été en retard. Veuillez m'excuser, Frau Beckmann, j'ai été retardée en chemin. Puis-je voir votre convocation, je vous prie? Merci, Fräulein Rose. Maintenant, n'oubliez pas, jouer au concert du printemps est un grand honneur qui récompense le meilleur élève de l'Académie de musique chaque année. Il est donc impératif de vous en montrer digne. Je ferai de mon mieux, Frau Beckmann. Le piano est prêt. À vous de jouer, Dana Rose. Là, il y a tellement de monde. Ils vont finir par bloquer l'entrée de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. Je ne devrais pas dire ça, mais puisse-t-elle me guider? Allez, quoi? Joue quelque chose! Allez, je ferai bien de commencer rapidement. Tout ira bien, Dana, tout ira bien. Tu ne vas pas faire d'erreur et ils vont sortir du beffroi comme prévu. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à poser ma partition. Et commencez. Mmh.